Bonjour à tous, alors on se retrouve ici dans la serre et je vais vous présenter aujourd'hui une nouvelle variété de tomates, c'est la cœur de bœuf orange. Alors la cœur de bœuf orange, c'est un must de nos tomates. C'est une tomate que je cultive depuis 10 ans. Regardons tout de suite cette magnifique tomate. Alors on est ici tout début juillet et voici notre cœur de bœuf orange. Elle arrive presque au sommet de la serre, elle fait pratiquement 2 mètres de haut. Regardez, on a un plan bien élancé, pas trop buissonnant, et tout en bas ici on retrouve cette magnifique tomate cœur de bœuf. Alors on a un très très gros calibre ici, c'est comme ça que je la sélectionne depuis maintenant de nombreuses années et tout au long de la saison. Donc une fois que j'aurai récolté celle-ci, ce que je vais faire maintenant, ben les suivantes vont commencer à grossir et à mûrir, et quand je les aurai récoltées, l'étage suivant va continuer à croître. Alors, cette tomate est une tomate semi-hâtive, puisque on est ici seulement début juillet et on a déjà ce magnifique, magnifique fruit qui fait plus de 1 kg ici. Au niveau taille, c'est important de tailler ce type de tomate avec un tronc unique, c'est-à-dire qu'on va couper toutes les feuilles de la base progressivement et ne garder qu'un tronc unique sur lequel vont se retrouver nos fruits. Alors, je vais maintenant récolter cette tomate. Regardez ce fruit, le calibre qu'il a. Il tient dans ma main directement. Il est magnifique. Alors, on vient de récolter notre magnifique cœur de bœuf orange en terre. Et regardez, j'ai également depuis maintenant 2 ans une version aquaponique ou hydroponique pour ceux qui sont adeptes de cette discipline. Et bien, regardez le plan, il est tout aussi magnifique que le plan terre. Regardez, on a un magnifique fruit à la base. Et si on monte. Regardez, on a des jeunes fruits qui se trouvent ici, encore des jeunes fruits ici, et on continue à monter jusqu'au plafond de la serre. Donc c'est aussi une variété qui fonctionne très très bien en aquaponie. Voilà, on se retrouve dans la cuisine avec notre magnifique cœur de bœuf orange. Alors je l'ai pesée, elle pèse 1,4 kg. Magnifique tomate. Alors il y a des petites marques grises, des petites cicatrices. C'est tout à fait normal pour une cœur de bœuf de cette taille-là. Alors, on observe la caractéristique de la cœur de bœuf, c'est que bien entendu elle a la forme d'un cœur. Et ici on a vraiment un cœur presque grandeur nature, étant donné la taille énorme de la tomate. Deuxièmement, couleur orange, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tomate contient de la carotène et beaucoup moins de lycopène qui donne la couleur rouge aux tomates. Au niveau productivité, eh bien, un plan de cœur de bœuf orange va vous donner une dizaine de magnifiques fruits comme celui-ci. Alors on va maintenant la couper pour observer la qualité de la chair, et vous allez voir que là c'est tout à fait fantastique. Regardez, donc on la coupe toujours dans ce sens-ci, et donc regardez-moi ça, c'est pas superbe. Donc on a très peu de graines, on a une chair qui est très dense et très ferme, bien juteuse également, et au niveau saveur, on a une saveur très douce, fruitée, sucrée, légèrement acide, avec un bon degré de goût aromatique pour une tomate orange. Alors au niveau de la manière de cuisiner cette magnifique tomate,
Première chose, c'est le carpaccio. Donc, on va couper des très fines tranches de tomates comme celle-ci qu'on va présenter. Regardez, on a vraiment une tranche comme si c'était une tranche de viande. Et ça, je peux vous dire, c'est un véritable régal. On peut également la mettre en salade. Là, on va la couper plus alors en dés. On peut faire une tomate mozzarella, par exemple. Ou alors, on peut les faire farcies, ce qui est vraiment délicieux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. On va se retrouver pour découvrir d'autres variétés de tomates très prochainement. J'ai créé, il y a maintenant un an, le site grainesdetomates.com. C'est un site dédié à la vente de tomates sur lequel vous allez trouver une centaine de variétés. Elles sont toutes cultivées par moi et par ma famille dans un contexte 100% bio, 100% artisanal et 100% local. La caractéristique de ce site de vente de graines, c'est que vous allez pouvoir acheter vos graines à la pièce. Fini d'acheter des sachets de 50 graines à 5 euros où on n'utilise que 5 des 50 graines. C'est tout l'avantage de ce site. On a une livraison ultra rapide, donc dès la commande, tout est envoyé en un jour ouvrable et vous allez trouver toute une série de variétés anciennes sélectionnées pour toute une série de critères. Je vous en montre quelques-unes. La Tiger Paw, regardez, magnifique tomate jaune. La Yellow Pear, les petites poires magnifiques en salade. La délicieuse cœur de bœuf orange Russian 117. La délicieuse ananas jaune, regardez-moi ce calibre et cette qualité. Un de nos top ventes, la tomate orange Valencia, très connue mais délicieuse, la Green Zebra, magnifique et très productif, l'andine cornue, pour son goût incomparable, la noire de Crimée, la superbe flamme épluche, la délicieuse tomate rose de Berne, les petits bonbons de la Hawaiian Current, la tomate moscovite qu'on récolte extrêmement tôt dans la saison, etc., etc. Donc si vous voulez des graines de tomates de qualité, bio, artisanal, local, rendez-vous sur grainesdetomates.com.